Et il souffla, et il gronda, et la maison de bois s'écroula. Ras-le-bol de cette histoire. C'est vrai, on la connaît par cœur. Nous, ce qu'on veut, c'est des nouvelles histoires. Et si on la transformait, ce serait bien plus chouette. Et si on faisait nos propres livres? Ah oui! Mais comment on fait un livre? Facile! D'abord, on garde le personnage. Et on réécrit l'histoire. Ok. Mais après... On s'entraîne à dessiner les personnages. Les trois petits cochons. Et il ne faut pas oublier le grand machin loup. Seulement quand on est prêt, on réalise les illustrations au crayon gris. Oui, mais il faut la couleur aussi. Beaucoup de couleurs. Et les amis, il nous faut un titre. On l'a déjà. La vengeance des trois petits cochons. Excellent, j'ai déjà envie de le lire. Moi aussi. Sur le sol, les trois petits cochons avaient mis une centaine de poules bananes. Et flip, zoup, boum, le voilà les quatre pattes en l'air. C'était génial. Et si on en faisait un autre? Et pour le prochain livre, je sens que la petite poule rousse va tomber amoureuse du renard. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.